Le Real Madrid nous a encore démontré une fois de plus pourquoi la Ligue des Champions est sa compétition. Face à Manchester City ce mardi soir au Bernabeu, le Real Madrid a plié pendant 30 minutes, étant complètement sous l'eau et laissant Manchester City multiplier les occasions devant son but. Il aura fallu un Courtois très attentif pour empêcher les Madrilènes d'être menés au score. Mais comme à son habitude, le Real Madrid est un prédateur extrêmement rusé. Il laisse sa proie s'épuiser et s'époumoner avant de venir l'attraper à la carotide. Et ce coup de croc se nomme Vinicius Junior à la 38e minute de jeu qui envoie un missile dans la cage d'Ederson, une frappe cadrée, un but, tarif Real Madrid. C'est à la mi-temps, beaucoup de spectateurs du match estimaient que le Real Madrid était beaucoup plus avantagé que Manchester City. En seconde période, les Citizens vont pouvoir bénéficier d'un fait de jeu extraordinaire, puisque par deux fois sur quasiment la même action, l'arbitre va avantager City. D'abord par une frappe de Vinicius contrée par la main de John Stones. Si Stones se s'est tourné sur l'action et l'arbitre ne pouvait donc pas siffler penalty, le ballon est quand même sorti en corner alors que l'arbitre a donné 6 mètres. Et sur ce 6 mètres, moment de la passe de Walker pour Bernardo Silva, le ballon va sortir de la limite du terrain. Et c'est sur cette action que Manchester City va égaliser, ce qui va provoquer la colère de Carlo Ancelotti, qui ne comprend pas pourquoi l'arbitre refuse d'aller regarder à la VAR si le ballon est effectivement sorti ou pas. Un coup du sort bienvenu pour Manchester City qui ne trouvait pas la solution face à ce Real Madrid extrêmement bien organisé. Si Erling Haaland a eu plusieurs occasions au début de match pour ouvrir le score, il a malheureusement disparu des débats à partir du moment où ses milieux de terrain créatifs se sont fait manger par le pressing des Madrilènes. Kevin De Bruyne, comme d'habitude, sort de sa boîte pour sauver les Citizens, mais ça ne suffira pas pour les hommes de Pep Guardiola pour remporter le match. Beaucoup trop esselés sur les côtés, d'abord avec Jack Grealish qui aura passé plus de temps à s'embrouiller avec Carvajal que d'essayer de jouer avec ses partenaires. Et sur le côté droit, Bernardo Silva aura tout simplement fui le duel avec Camavinga. Le français de 20 ans, qui d'ailleurs pour moi est le meilleur joueur encore une fois sur ce match, a tout simplement éteint le portugais. S'il aurait été peut-être plus judicieux pour Pep Guardiola de redescendre Bernardo Silva au milieu de terrain en sortant John Stones et en faisant rentrer Riyad Mahrez, qui lui aurait percuté et provoqué Camavinga pour tenter pourquoi pas de le pousser à l'erreur, Pep Guardiola a une fois de plus décidé de ne pas faire de changement sur ce match, laissant l'attaque de City beaucoup trop stérile pour espérer quoi que ce soit face à ce Real Madrid. Malgré ça, City repart du Bernabeu avec un bon nul. Il faudra malgré tout faire plus à l'Etihad Stadium, car le Real Madrid, eux, peuvent totalement reproduire le même match et l'emporter. Par contre, il faudra que City soit beaucoup plus décisif et surtout beaucoup plus tranchant lorsqu'ils attaquent s'ils veulent pouvoir se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions.